Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte. Je précise, pas test, hein, parce qu'il faut bien le préciser à certains qui ne comprennent pas le français, n'est-ce pas? Gameplay découverte d'un jeu qui m'a surpris, que je trouve excellent et qui vraiment me rappelle les premiers amours en fait des Souls-like. Bien entendu, je parle de Steel Rising, un jeu d'un studio français, Spiders, qui est certainement aujourd'hui, ce Steel Rising est certainement pour moi le meilleur jeu de ce studio. Et pour un jeu, on peut pas dire indé, mais plutôt double A, parce que c'est pas un gros studio, je trouve que le travail fait est remarquable. Je l'ai plus acheté à la base parce qu'il était à un prix vraiment, enfin, à un prix cassé, hein, d'accord? Je crois que j'ai acheté 29,99 le jeu. Et je me suis dit, why not? On verra, parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce jeu. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que le jeu est excellent, très bon. Et il me rappelle la première fois que j'ai joué à Dark Souls, justement. C'est un vrai hommage aux Souls-like. Et de plus, Spiders s'est vraiment attaqué à un jeu qu'il n'avait jamais fait, à un style de jeu qu'il n'avait jamais fait. Et ils s'en sont tirés haut la main. Je vous en parle tout de suite. Et donc les amis, avant de commencer la vidéo, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat bien entendu qui vous permet d'avoir des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme les abonnements Xbox Game Pass Ultimate ou PlayStation Plus par exemple. Voilà tout. Alors les amis, ce Steel Rising, sachez que c'est un jeu d'un studio français qui s'appelle Spiders. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'avaient jamais fait de Souls-like et c'est vraiment leur première itération. Chose que l'on peut admettre, c'est que quand même, ils ont fait les choses comme il fallait. Ils ont fait les choses de la bonne manière et surtout, ce jeu se révèle être tout simplement excellent. Il me rappelle vraiment, sur certains points, le premier Dark Souls. Et je dois dire que c'est hyper plaisant à jouer. Alors, je tiens à préciser par exemple, hein, à titre de comparaison, je vais me faire des amis, j'en ai rien à cirer. Vous savez que j'ai été déçu d'Elden Ring, j'ai été déçu par exemple de Wolong que j'ai détesté comme pas possible. Et au final, ce jeu-là est selon moi l'un des jeux qui se rapproche le plus du travail de From Software. On sent qu'il y a un amour irrévérencieux du studio From Software, parce que je dis pas que c'est jusqu'au boutisme, mais le cahier des charges est certes respecté, tout en faisant en sorte que ce jeu ait justement sa propre identité, son propre univers, et on s'y balade de manière plaisante. Alors, le jeu n'est pas un jeu à monde ouvert à la manière d'un Elden Ring, mais quand je vous dis qu'il se rapproche des anciens Souls, bah, c'est tout simplement qu'en fait c'est un univers connecté, enfin connecté, interconnecté avec des zones interconnectées plutôt, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le jeu n'est pas un jeu en monde ouvert à proprement parler, il y a quand même un couloir que l'on suit, mais il y a plusieurs embranchements possibles. Et vie à un moment donné, lorsque l'on libère un passage, ça nous permet d'arriver dans une seule et même zone. Donc, on sent qu'en termes de level design, ils se sont vraiment inspirés du travail de From Software et de la plus belle des manières, parce que justement, le tout est cohérent, bien fait. Et il y a une vraie patte artistique, donc bravo à Spiders pour ce côté-là, parce que ce qu'ils ont fait est absolument remarquable. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, bon allez, ça va être un Souls-like, ça va être sympa, j'ai entendu beaucoup de bien. Je m'étais dit, on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai que l'héroïne du jeu de base, on peut pas dire qu'elle soit ultra charismatique, c'est-à-dire qu'en fait on manie un pantin. Ouais, fallait le trouver ça, fallait le trouver, on manie un pantin en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnera? Et au final, on s'y fait. Ça se passe très très bien, il n'y a absolument aucun souci. C'est-à-dire que dans ce jeu, en gros, on manie un soldat en fait du roi en fait qui est un pantin et on doit aller d'un point A à un point B afin de sauver le peuple de France. En gros, c'est ça. Je ne veux pas spoil. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que vu que c'est un studio français, eh ben pour nous autres qui vivons en France, bah c'est très intéressant parce que l'univers n'est pas un univers héroïque fantasy façon Souls-like. C'est un univers qui a été remodelé, bien entendu. Mais on sera à la fois, par exemple, aux Invalides,
pourra être à Châtelet. Donc c'est très intéressant pour nous autres vivant en France que ce jeu se déroule dans la capitale française, tout simplement à Paris. Donc c'est très intéressant. Le seul bémol que l'on peut mettre, et là on sent vraiment les limites du studio du coup, en termes de budget, hein, c'est que bien que le jeu soit un jeu français fait en France, la langue internationale est l'anglais, donc le jeu est uniquement en VOST, anglais sous-titré français, et c'est vrai que ça fait bizarre, parce que lorsque l'on voit par exemple Marie-Antoinette, en l'occurrence, ou d'autres personnages historiques de l'histoire de France, parler en anglais, ça fait bizarre, surtout que par moment, ils parlent en anglais, et ils vont nous sortir par moment des petits mots en français, du genre « Mais mademoiselle !» Ça fait bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas rébarbatif, mais c'est vrai que vu que c'est un jeu français, ça fait bizarre de se dire que c'est un jeu français qui n'est qu'en anglais. Bon, voilà tout. Après, en termes de gameplay, c'est très bon. On a une vraie marge de progression. Au début, voilà, comme dans tout Souls-like, on apprend à maîtriser la pattern des ennemis, du coup, à comprendre comment les battre, à améliorer notre personnage. Donc, ça fait quand même partie des Souls-like, par contre, en niveau de difficulté. Je dis pas que c'est simple, mais des Souls-like, on va dire, de base. C'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment une première itération de Spiders dans le monde des likes, des Souls-like. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu, pour une première, mettre la barre trop haute. Donc le jeu a de la difficulté, mais elle n'est pas insurmontable. C'est-à-dire que on apprend quand même assez rapidement à battre les ennemis. On comprend comment battre les ennemis. Mais comme dans tous les likes, en fait, il suffit d'être patient, de voir on contre, si on esquive, de comprendre le move de l'ennemi pour le frapper au bon moment afin de ne pas se faire toucher. Donc c'est, je dis pas que c'est simple, c'est un jeu qui reste plus relevé que certains dans la maniabilité, parce que ça reste un Souls-like, mais il est plus simple qu'un Dark Souls. Ça c'est une réalité, et au final les personnes n'ayant pas l'habitude de faire des Souls-like, commençant par ce Steel Rising, je pense que ce serait une bonne pioche, parce que je vous dis, en termes scénaristiques, le jeu est très bon, il se passe à Paris, il est très joli. Voilà, pareil, je voulais dire, pour un studio Spiders qui n'est pas un gros studio, eh ben, il faut admettre qu'ils ont fait un travail remarquable, mais absolument remarquable, sur la qualité graphique du jeu, parce que les flammes, par exemple, vous allez voir dans la vidéo, les flammes du jeu, elles sont super bien faites, très très bien animées, il y a une vraie réverbération en fait sur le sol, c'est très bien fait au niveau des éclairages. C'est limite mieux fait, voire même c'est carrément mieux fait, que les flammes qu'il y a dans un AAA comme Call of Duty Modern Warfare 2. Hein, je tiens à le dire, ouais, je le rentre dans le large, j'en ai rien à cirer, c'est une constatation. Donc, sur le plan technique, le jeu a des défauts. Par exemple, au niveau des animations, pas in-game ça passe, mais au niveau des animations durant les cinématiques, les visages pas très bien modélisés, des animations rigide, on sent que c'est des vieilles animations dues aux limitations financières du studio, mais in-game, le jeu a une vraie identité, a de très très beaux éclairages qui flattent la rétine, donc très très belle surprise que ce Steel Rising, qui au final, fait honneur au Souls-like, fait honneur également, on peut dire, aux consoles next-gen sur certains points, pas totalement, mais sur certains points, on va dire qu'il ne fait pas tâche par rapport à d'autres studios AAA qui nous sortent des jeux moins bien aboutis. Donc, pour ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, je prends beaucoup de plaisir. Steel Rising, un jeu que je vous conseille, un jeu made in France. Et pour ceux qui sont rébarbatifs au Souls-like, c'est peut-être une bonne entrée pour vous, pour le faire, parce que il a beau avoir quand même un peu de difficulté, elle n'est jamais insurmontable. Il suffit tout simplement de faire attention et de bien lire ce que fait l'ennemi. Et après, en principe, ça devrait le faire sans aucun problème. Quoi qu'il arrive, si vous perdez, en fait, ce sera toujours de votre faute, jamais par rapport au gameplay du jeu, parce que le jeu n'est pas punitif. Enfin, il est punitif si on y va tête baissée. Il suffit d'être patient, tout simplement. En tout cas, très bonne pioche. Je suis excellemment surpris par le jeu. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao. The Swiss Guard.